tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël. Je vous retrouve aujourd'hui justement dans cette vidéo pour vous montrer les cadeaux que Maya a reçus par le Père Noël. Je vous montre ça dans le but de vous donner aussi des idées pour un enfant de 18 mois. Maya va avoir 18 mois et donc du coup, voilà, si ça peut vous donner des idées pour vos enfants ou pour des cadeaux à faire à des enfants d'à peu près du même âge, eh bien... pourquoi pas? Donc je vous montre tout ça. Maya a eu cette magnifique petite cuisine de chez Verbaudet. Elle vient, c'est la, c'est le modèle rose. Je crois qu'il y a plusieurs modèles différents en plus de cuisine chez Verbaudet. Mais elle a eu celui-ci et c'est génial parce que du coup c'est vraiment pile à sa taille. Elle est basse cette cuisine, donc quand elle est debout c'est vraiment pile à sa taille. Voilà, il y a des petits placards où on a déjà mis des cagettes remplies de nourriture. Et donc ça c'est cool parce qu'elle s'amuse à y ranger des choses, à cacher ses tétines, des petites choses. Ça mais en fait, non ça c'est voilà, c'est pour fermer, mais en fait vous le laissez comme ça et elle ouvre toute seule facilement, elle a juste à faire ça. Le four, donc pareil, on voit des petites choses à l'intérieur. On a des boutons comme ça, ça tourne. Elle est fournie avec des petits couteaux comme ça. Vous avez aussi le sel, le poivre, les 4 cuillères qui sont accrochées ici. Ça non, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Par contre, il y a ça qui est fourni avec cette grande casserole poêle. Et ça vient d'ailleurs. Donc elle a eu cette petite cuisine avec plusieurs accessoires aussi pour la cuisine. Je vais vous montrer juste après. Elle a eu également cette petite chaise haute pour bébé. C'est trop mignon. Elle vient aussi de chez Verbaudet, cette chaise haute. Et vraiment, j'adore. C'est trop mignon. C'est vraiment la chaise haute vintage. Donc voilà, elle met son bébé, elle lui donne à manger. Et donc pour aller avec la cuisine, Maya a eu quelques accessoires de cuisine. Elle a eu un petit robot pâtissier comme ceci. C'est vraiment trop chou ce qu'ils font en jouet en bois. Ils font vraiment de tout. Donc un set de robots. Donc vous avez le robot, des œufs. Il y a quoi d'autre? Il y a 9 pièces, donc il y a le rouleau, un petit saladier, les œufs, le robot, voilà, il y a 9 pièces à l'intérieur. Ensuite, elle a eu un petit set de fruits avec une planche à découper. Moi, je l'avais pris avant Noël et tout, un petit set avec du pain, des œufs à découper. J'avais pris un grille-pain, elle avait déjà eu, un petit panier. Puis je lui avais pris des cagettes de nourriture que je vous ai montré dans sa cuisine. Mais voilà, elle a eu ce petit set de fruits en plus. Donc ça c'est bien, ça lui apprend aussi à nommer les fruits et puis couper les fruits. Ensuite, elle a eu un petit service à thé. Ça, c'est trop chou aussi, un petit service à thé. Donc, dans celui-ci, il y a 17 pièces. Donc, il y a un petit plateau, des tasses, de quoi faire le thé, une théière, un service à thé, quoi. Donc, elle qui adore faire la cuisine en ce moment et depuis qu'elle a sa cuisine encore plus... elle s'amuse vraiment à imiter les grands, à faire à manger, à faire aussi à manger pour son bébé, à nous donner à nous, à donner aussi à manger aux chiens. Voilà, lui donner 8 ans des cuillères. Enfin, elle fait vraiment sa petite vie et voilà. Pour son âge, c'est idéal. Je sais qu'en tout cas, elle se régale à jouer à la dinette, au jeu d'imitation en fait. 18 mois, c'est parfait. Je vais ensuite vous montrer le reste de ce qu'elle a eu à Noël. Ce sont des vêtements de chez Verbaudet. Alors, premier ensemble de chez Verbaudet, elle a eu une salopette comme ceci. Je la trouve vraiment hyper jolie. Elle est toute... c'est simple mais c'est fleuri avec le petit détail des nœuds. J'adore. Et le petit chemisier en dessous à froufrou comme ça, petit chemisier blanc. J'adore vraiment cette tenue, elle l'a eu en 24 mois, donc ça va être parfait là,
pour le printemps qui arrive. C'est, enfin, le printemps qui arrive, on est qu'au début de l'hiver. Mais ça va être vraiment parfait, très belle, très jolie ensemble. Ensuite, elle a eu un petit gilet comme ceci, une petite veste rose avec les petits boutons en bois. Donc ça, ça va avec tout et je peux lui mettre dès maintenant. C'est du 24 mois, ça va lui durer aussi un moment. Ensuite, elle a eu... Alors ça, c'est peut-être avec un ensemble. Alors, deuxième petit ensemble, on a ce petit pantalon avec la petite ceinture comme ça, en ruban. Très sympa. Petite jean, mais vous savez, c'est pas jean hyper galère à enfiler, très collant. Non, c'est plutôt un jean souple, vous voyez, jean jogging. Très joli. Et on a avec un petit chemisier comme ceci. Pour aller avec type matière lin, c'est hyper joli. Ça, pour le printemps, ça va être des tenues magnifiques. Ils font de jolies choses chez Vert Baudet. Ensuite, elle a eu cet ensemble. Alors, celui-ci, c'est mon préféré. C'est mon préféré des ensembles. C'est une barboteuse short, une salopette short comme ceci. Elle est vraiment magnifique en velours. J'espère que vous voyez bien. Elle est super jolie et avec le petit haut fleuri pour aller en dessous. Oh là là, c'est trop joli, les bretelles comme ça derrière. Ça, c'est vraiment des tenues que j'adore pour les petits. Et le dernier petit vêtement qu'elle a reçu donc de chez Vert Baudet, c'est ce petit pantalon-là, tout confort, en marron clair comme ça, avec le petit nœud détail un peu brillant. Donc ça, c'est des pantalons idéaux hein, pour les journées à la crèche, etc. C'est bien confortable, facile à enfiler, facile à enlever. Et l'intérieur est bien chaud, comme ça, de cette matière. Donc, top. Et donc voilà pour les petites affaires qu'a reçu Maya cette année. J'espère que vos loulous ont été aussi gâtés. Dites-moi en commentaire ce qu'ils ont eu pour Noël et comment s'est passé vos fêtes de fin d'année, si ça s'est bien passé, si vous étiez content, si c'est encore plus magique maintenant avec vos enfants. En attendant, si jamais cette vidéo sort avant, je vous souhaite de passer un bon réveillon du 31, voilà, de finir l'année en beauté et je vous retrouve l'année prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.